je vais faire l'autre secteur de la zone 51. Un autre sous-sol. Oh, je pense pas que c'est aujourd'hui que je débusquerai Bob Page et que je finirai le jeu. Contrairement à ce que j'avais annoncé la fois précédente. Oh, je le finirai. Oh, je sais pas. Peut-être que je finirai demain ou après-demain. Je sais pas. J'en étais là. Ah, je crois que j'en étais à la porte devant. Ça va, il est devenu gentil. Tais-toi. Scanning area. Et de pas mettre l'écran comme il faut, parce que sinon je vois pas les noirs, les plus profonds, si je puis dire. Elle est là, l'irrure. Merde, je sais plus si je veux faire un truc de particulier ou pas, je sais plus du tout. Non, je suis bien. Ah oui, est-ce que je garde la charge plasma ou... ailleurs mon fusil de snipe. Oh bah, je croyais que je l'avais fait. Bah attends, mais j'ai pris une bonne sauvegarde ou pas? Thank you.
Seattle. J'ai laissé mon fusil à lunettes. Je sais plus. Que je dois un fusil de net. Bizarre d'être inactif. À mon avis, ça devait être un bug. Ça me semblait trop étrange. Ah oui, ça fait bien bobo. Putain. Quoi ? Putain, mais je sais plus ce que je vois. C'est pas du tout ce passage. Si j'y arrive. Non mais quand il veut pas, il veut pas. Ah. Verrouillé. Un passe-partout. J'ai la... Ah oui, je veux bien savoir où ça mène. Ça m'intrigue. Il est où là? Ah merde. Ah, j'avais pas vu. D'accord. Carrément à l'entrée, t'as l'accès à la sortie, si tu regardes bien. Ah, moi, je dis respect. Par contre, je veux bien trouver un truc qui me permette de recharger ma batterie, moi. Ah oui, non, ça je me souviens. Maintenant, j'ai rien pour recharger ma batterie. Je crois pas.
Bon. Faut que je prépare un comité d'accueil. Merde! Ah, oh, je suis mauvais aujourd'hui. Bon, j'ai comme qui dirait un problème. J'arrive pas à me débarrasser du comité d'accueil. Ah, puis non, j'ai plus de force, putain. Ou alors j'utilise, ça y est, mes batteries et puis. Ah! Elle est là, la soluce. Elle est là, la soluce. Ta-da-da. Eh oui, il faut bien. Return of the mec. Ça y est, return of the mec. Votre cœur fait boum. Tout avec lui. Ah ouais, ça a pas suffi. Ah merde. Je vais te le dire, je vais me faire viander. Oh la vache, les salauds. J'ai réussi.
clé chère, mais j'ai réussi. Oula, j'ai des clés partout. Donc ça, c'est secteur 3. J'ai gagné l'eau, j'ai gagné ça. Ouais, bah oui. Ah, je passe à l'autre côté. Yeah. On voit qu'il me redoute, hein. L'artillerie lourde. Putain, le chargement il est long là. We can get you into Sector 3, but no further. Page is in a separate area with his own security grid. Everett says you want me to destroy Area 51. I intercepted his communication. JC, he is simply using you to bring the Illuminati back to power. Listen to Savage and me. There is a reactor lab with two antimatter reactors. In other words, yes. You want me to blow the facility up. Why? It's just a hole in the ground. Decades ago, the UN made Area 51 the central hub for all electronics communications. The Aquinas Protocol, originally for surveillance, has given Page unlimited abilities to censor and control all forms of media. If we destroy the Aquinas hub, we'll take down the global network. Exactly. They dug their own grave, JC. We're going to eliminate global communications altogether. I don't know. Sounds like overkill. As long as technology has a global reach, someone will have the world in the palm of his hand. If not Bob Page, then Everett, Dowd. Another Stone Age would hardly be an improvement. Not so drastic. A dark age, an age of city-states, craftsmen, government on a scale comprehensible to its citizens. I'll think about it. Savage has a map of Sector 3 from when he worked down there. I'm transmitting now. Use it to find your way to Page's complex in Sector 4. Then find the coolant control room, which should be at the northwest corner of Sector 4. Cut off the coolant to the reactors, then go to the reactor lab. I will tell you how to trigger an explosion. Ça va être difficile.
nouvelle fuite dans la salle des réacteurs. Mais vérifie d'abord les filtres à eau. Page n'arrête pas de me harceler à propos du système électrique. Il y a une sorte de procédure médicale cet après-midi. Si le problème ne provient pas des filtres, nous devrions savoir le plus rapidement possible s'il vient du système d'isolation. Prends bien note du nouveau code qu'a installé Page pour la salle des réacteurs, c'est le 2001. Si ça... intéressant. Ouh la vache! Oh les objectifs secondaires. Alors principal, parler à Helios au centre Kinas pour pouvoir pénétrer le secteur 4. Objectif secondaire, un nouvel âge des ténèbres. Passez d'abord par la salle de contrôle du système de réfrigération dans le coin nord-est du secteur 4 et coupez le système de réfrigération des réacteurs, puis revenez au laboratoire des réacteurs dans le secteur 3 pour mettre la touche finale. La destruction du centre de communication mondiale plongera la Terre dans un nouvel âge des ténèbres, un âge moins évolué mais exempt à toute tyrannie planétaire. Rejoindre les Illuminati, tuer Bob Page et ouvrir le chemin pour la restauration de l'immémorial gouvernement secret des Illuminati. Diriger le monde à compassion et discrétion aux côtés de Morgan Everett. Ah ah! Oh putain, je crois qu'il y a 4 fins, hein, alors qu'il y en avait 6 de prévu. Se lier à Bob Page et je sais plus. Ah oui, si je meurs dans la zone 51, il y avait une 6e fin, mais ils n'ont pas le temps de la programmer. Accès à Kineas. Ah, c'était quoi le code? Non, c'était pas ça le code. Oh putain. D'accord. Merde, j'ai pas... Attends. 2001, c'est ça? Non, c'est pas ça. Pardon. Page wants the blue fusion devices locked down. Yeah, no problem. We're good. You mean, disable the keypads? You might have to talk to Mac. All I know is how to change the code. We want to remove the keypads. I wouldn't want to do that. Didn't those things come from the aliens? The origin of the blue fusion device is disclassified. Well, I ain't touching them. Talk to Mac. On apprend des choses. Putain, y a du monde. Oh, y a une récompense. Avec son système d'autodestruction.
Ce qui s'est passé, une sorte d'attaque. J'ai réussi à pénétrer dans le centre Akineas. Oui, c'est le bon code. Et nos amis mutants sont des êtres géniques, je suis presque certain. Je serai dans le labo des réacteurs. Ne viens pas me retrouver. Je te retrouverai à la surface lorsque le danger sera écarté. Putain, il y a encore de la... de l'ambroisie. De l'ambroisie. De l'ambroisie de toutes les envies. Salut Sandy, j'ai enfin obtenu le login du laboratoire 13 pour Mac. Il a dit de bien nous amuser, mais d'éviter de nous envoyer tous à des patrés. Si tu trouves quoi que ce soit qui puisse nous aider à brancher ces machins à fusion bleue, pardon, fais-le savoir. Cela nous donnerait peut-être une meilleure idée de la façon dont fonctionnent ces réacteurs. Login Area 51, mot de passe Reboot 13, signé Jake. Que je fais, je m'amuse à les trucider ou pas? Non, ça vaut pas le coup. Ah, c'est sympa ça. Secteur 4, enfin l'accès au secteur 4 a été...
veuillez contacter le bureau de sécurité si vous voulez avoir accès au constructeur universel de nanotech. D'accord. Est-ce que le bureau de sécurité peut être directement votre extérieur 4600. Ouais. 4600, hein, bizarre. Oh, merci pour le cadeau. De Jacob Markenzie à Agent Cario. Je suis en train de transférer tous les explosifs récupérés. Je ne pense pas qu'il y ait un risque de sointement ou de détonation spontanée. Ce matos a l'air plutôt stable. Mais je me suis dit qu'il était préférable de mettre en sûreté dans un endroit insonorisé. Pour le cas où vous, vos hommes en auriez besoin, le code de verrouillage des explosifs est 4225, signé Mac. 4225. M'empêcher d'aller me doucher dans le poison. Oh. Ok. Là en fait je me douche dans la peste grise. Bassin. Ah, quoi, j'ai mal vu? Le fichier de sauvegarde pèse 49 mégas? Oh putain! Enfin, je veux bien le croire, avec tous les choix dans le jeu et l'inventaire et les infos. Putain, 49 mégas de données de sauvegarde. Station 17, Bilibi. Yo 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 yo. Mais attends, c'est pas les explosifs, donc ça peut pas être. Ça peut pas être 4225. Non, c'est pas ça. 4225, hein. Ouais, non, c'est pas ça. Comment qu'il m'a allumé? That's a boogie no ID. J'aime bien quand ils le disent.
qui m'accueille, le salaud. Nothing here now. That's the one. Okay, drop it. Voilà. Ça, c'est du travail professionnel. Ah, c'était ouvert. On est d'accord, lui il est pas ouvert. Lui, il est pas... Ah. Ah, c'est par simple observation en fait, c'est déjà ouvert. Ah mais oui, je suis pas servi du... Non, ça va, y a personne d'autre.
42-25. Get acquired.
aussi. Ah. Oh la vache. Alors... Putain, mais il y en a combien? Ah, je l'ai pas vu. Mais elle, si elle se représente au bord, je la défonce. Ok. C'est bien, avec ces conneries, je peux pas passer. Putain, je peux le soulever ou pas? Non, je peux pas le soulever. T'es con, non, le nanovirus. C'est vrai, les petits gris, ils adorent les radiations nucléaires. J'avais oublié.
Vache! Ah oui, la mort grise. Arrêtez de faire chier les petits gris là. They still there? Don't worry, I took them out. We lost power when the missile hit. The cages, they came unlocked. You have a pretty clean shot at the surface if you leave now. No, no, not until I see troops. How'd you get back here? This area is restricted. I was thinking about firing up the reactors. Good one. Even the Seraphic 8X guys say the reaction's too unstable. They only bring it up to run tests. Alien technology? And that's what they say, but I think it's a lie. The Greys are just clones. They say from cells they got at Roswell, but how do we know? They could have just engineered monkeys to not have any hair. Can the Greys run the reactors? Ha, they're monkeys. That's the thing. Maybe they have super brains, but they don't know anything about any alien civilization because they grew up in cages. Never been to Sector 4 myself, but they lock the blast doors because they're doing more than cloning down there. I found out one of the codes, 1038. But that turned out to be for the Akinas hub, here in Sector 3. I don't know. Maybe the Akinas system controls access, but I haven't figured out how yet. Merci pour le distance 8, le code. Man, those things freak me out. I don't like they understand what you're thinking. Bon, je suis sûr que je vais mourir radié, mais je vais essayer. Ça, je m'en suis là, le coup du réacteur avec le petit gris. God!
Alors. Journal de maintenance Purvis. J'ai alors 19h45, 12 secondes. Pensais avoir entendu du bruit en haut comme des tirs d'armes automatiques. Je l'ai signalé à mon chef du secteur, mais elle m'a dit qu'il s'agissait d'un exercice d'entraînement. 20h34, 02. Une bande de ces mecs en costume noir, on dirait qu'ils se sont échappés du tournage de M18, c'est ça. Ils n'arrêtent pas de poser des questions sur les réacteurs, et je continue à leur répéter qu'il faut poser des questions à Mac quand il reviendra. 23h11, 30. J'ai finalement réussi à pirater le code de la porte de la cage escalier, 10-38. Cet endroit non référencé est une caverne alibabesque de technologie des années 50, du matos plutôt bizarre, et nouveaux gadgets des labos. Incroyable le nombre d'entre eux qui marchent. Le code de la porte de la cage escalier, 1038. Et Akineas, oui, bah oui, 1038. Bon, bah je rends visite à Akineas. Enfin, Akineas. Oh, les belles lignes de code. C'est de l'assembleur, ça. Ben, je suis en parfaite santé, monsieur. Monsieur le robot. Le robot. Attends. Ouh là là. Je vais avoir de la lecture. Ah là, là, à mon avis, là, c'est le... Il n'y a pas de doute, c'est le grand final. Oh là 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 là. Oh la vache, il y a trop à lire. Ça devait être le bureau de Podpatch, c'est pas possible. Oh là là, il y a un bouquin là. Ah là là, j'ai trop de trucs. Il est en bas, Bob Page. Je vais lui casser la queue. Always soda, soda. Ah, on passe pas le tour. Alors, est-ce que c'est les mêmes mails? Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, non, c'est là. Alors, nous avons gagné une belle séance de lecture. Aïe, j'ai mal aux fesses, je suis mal assis. Alors, oh là 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 là, alors là je vais lire pendant un quart d'heure, c'est énorme. De Géolivao, ouais, sur le peut-être, à M. Everett.
référence S342A. Perspective de clonage. Alors M Everett, bah Everett c'est l'Illuminati. Votre quête de débat contradictoire relatif à la possibilité de création de candidats génétiquement programmés à des nanomodifications par clonage a éveillé un intérêt considérable. Nous considérons qu'avec des investissements de recherche suffisants, la culture prudente d'échantillons de tissus acquis à partir d'individus de type H epsilon négatif pourrait produire un nombre indéfini de spécimens disposant de facteurs immunitaires requis pour tolérer l'injection de matériel nano-organique. Si vous examinez les études attachées, vous pourriez constater que le clone répété à partir du matériel primaire n'entraîne qu'une variance d'hémoglobine de 0,53%. Nous suggérons l'utilisation des données rassemblées par les Illuminati pendant les vacations antivarioliques des années 40 pour sélectionner génétiquement les couples disposant du plus grand potentiel de production d'une progéniture susceptible d'être clonée et élevée par les parents dans des conditions de contrôle et de sécurité adaptées. Ces enfants du clonage pourraient alors fournir les superfluités nécessaires à des études expérimentales plus poussées. Dans l'avenir, ce procédé pourrait être rationalisé grâce à l'application de la croissance accélérée et d'un plan de mémoire. Si vous avez des commentaires, nous les entendons avec intérêt, Dr. Olivao. Alors ça, théoriquement, ça doit être un vieux mail qui correspond en fait à la création des frères Denton. Si j'ai bien compris. Alors, de L de Beers. Ah, Lucius de Beers. Mais oui, ça y est, je viens de comprendre, de Lucius de Beers. C'est le leader des Illuminati qui était en caisse, caisson chez Everett. Ah, Lucius de Beers. Ah, Bob Page. Oh mon dieu, sujet, réponse à manipulation bovine. Ah, c'est les vieux exercices de Bob Page. Mon dieu, c'est des vieux courriels, c'est ça. Je suis à la genèse de Deus Ex. C'est terrible. Alors, j'aimerais que soit étudiée la possibilité de reprendre les études de manipulation bovine, blablabla, code à la con, avec en point de mire la recréation de la forme de vie Grey. Bien que le projet ait été à l'époque considéré comme un échec, il fut une grande réussite de tactique propagandiste en réussissant à détourner l'attention des recherches actuelles sur le Dreamland. Grâce au progrès, en matière de sciences génétiques, la forme de vie Grey pourrait être manipulée pour protéger les services du MJ-12 tout en servant de leur. Une idée intéressante, Bob, mais je pense que les ressources financières du MJ-12 sont actuellement plus utiles au financement de nos projets de recherche sur la modification humaine. Néanmoins, j'évoquerai la question avec Stanton et Morgan. Signé Lucius de Beers avant qu'il soit mis dans le caisson. Oh la vache. Alors, de Bob Page à Walter Simmons, sujet unité secondaire. J'en suis venu à penser que Psycho devrait être élevé dans un environnement plus supervisé que celui de son frère. J'entretiens de sérieux doutes sur l'utilité de ce dernier en tant qu'unité primaire et je préférais qu'au moins une des unités secondaires soit sous notre contrôle direct. Éliminer les parents en veillant à ce que Psycho ne soit pas blessé. Nous l'enverrons dans notre école en Suisse pour surveiller son développement. Si cela devient nécessaire, son frère est sacrifiable. Sacrifiable, signé Page. Oh l'enflure. Alors, G. McDonald à G. DeWitt, sujet anomalie Akineas. Quelque chose de bizarre, je viens juste d'achever une série d'analyses sur le nouveau protocole de compression version 1.82 que nous avons ajouté à Akineas la semaine dernière. Et pendant que je creusais les entêtes, j'ai trouvé une anomalie dans les algorithmes de chiffrage de la sécurité, un genre de déviation qui vous permet par exemple de reformuler des messages entiers si vous savez ce que vous faites. C'est très subtil, et il faudrait que quelqu'un puisse matricer ensemble plusieurs compensations à partir des séries successives pour générer une clé temps différentielle. Mais le résultat final pourrait entraîner l'accès potentiel à chaque bit du trafic routé par Akineas de quelqu'un connaissant l'existence de cette brèche. J'envisagerais d'en parler à Page, et d'obtenir ainsi quelques bons points pour avoir mis en lumière une faille de sécurité avant le lancement. Qu'en pensez-vous, Jim ? La vache. Alors, de Bob Page à Walter Simmons, sujet, réponse à situation. Jusqu'à présent, nous avons considéré que l'existence de Savage et un de ses renégats et de ses renégats était sans conséquence pour nous, et qu'elle pouvait même nous servir, mais l'heure est désormais venue de les éliminer. Mobiliser toutes les unités MJ-12 se trouvent en proximité et veiller à ce que Vanderberg soit désactivé avant que Savage n'ait une chance de mettre en marche son constructeur universel. Ne vous inquiétez pas de Daedalus. J'ai apporté quelques améliorations à Icarus, qui pourrait bien surprendre Everett lui-même, signé Page.
Ah, le message de réponse était, enfin de question avant, c'était Danton est entré en contact avec Savage et les chercheurs du X-51. Après examen des enregistrements de transactions de Payens, tout porte à croire qu'il travaille avec Everett et Daedalus. Tron dit que Savage a encore besoin d'un vaisseau d'endiguement et qu'il a envoyé quelqu'un au labo de Pasadena afin d'essayer de récupérer les données. J'ai déjà une équipe qui prépare l'interception. Oh putain. Alors, de E. Farsworth à Jim Monroe. Descends ici, le sujet, hein, évidemment, descends ici. Tu es un crétin, nous avons eu 14 nouveau-nés Karkan Rose Fluo qui sont sortis des CU3, enfin du constructeur universel 3 ce matin. Je ne le dirai pas au docteur Tao si tu viens ici pour t'en débarrasser. Ils sont dans la partie basse de la salle de maintenance, probablement en train de se bouffer entre eux. Je te remercie vraiment. Oui, il y a quelqu'un qui a activé le constructeur universel pour générer des Karkians. Alors, de Bob Page à Walter Simmons, sujet, initiative d'agent coopérant. Mon analyse sur les performances non satisfaisantes sur l'unité primaire et secondaire révèle que les agents travaillant seuls sont facilement influençables par les autres parties. Je viens à en croire que des unités multiples travaillant ensemble sur le terrain sont moins exposées à cette défaillance. J'ai commencé une implémentation initiale d'une initiative d'agent coopérant dont le nom de code est HX. J'ai chargé les spécifications dans blablabla, un dossier. Il sera opérationnel dans 6 mois, signé Page. Oh mon dieu! Tant d'infos, je ne sais plus si je sauvegardais. Bah oui, tant de lecture, ça perturbe. Tant de lecture, ça perturbe. Tant de lecture, ça perturbe. Ah, le livre, j'ai pas fait le livre. Alors, L'ombre de Jacob par Andrew Hammond, chapitre 34. Je l'ai déjà lu le bouquin, décidément. La troisième fois que je tombe sur le même exemplaire. Attends, il y a un truc que je comprends pas, faut que je pète la vitre et que je shoot. C'est quoi ce merdier? Take a deep breath. J'ai bien résumé comme situation, ouais, le professeur. Tu parles trop, tais-toi, je suis mort, abruti. Tu m'as distrait. Thank you.
Ah. Oula, il y a la grosse. Il y a la grosse vilaine en bas. On peut reconnaître la grosse vilaine. Ah oui, y a un truc à faire sauter là, j'avais oublié. Attends, je vais faire parler l'autre. Voilà. All the way down, JC. Get to Page's compound and take him out. Everett and I will join you shortly. We'll bring back the old institutions, the prosperity of the last century, the giddy acquiescence. Trust us, JC. We can put the world back together. Now there's a voice I haven't heard in years. Rueful, as I would expect for the fall of the Illuminati, pining for its return. Either nostalgic or senile. Oh well, the old take comfort in delusions. No harm done. Il est mort ce gros con. Je l'ai encastré sa tête dans la porte. Bien fait pour sa gueule. Alors, j'étais en train de faire mes courses là. Mes courses gratos. Je dis oui. Bidi bari babu bari radu. Copain Helios. Putain, mais ils sont tous fait buter les uns derrière les autres. Routeur. Concentrateur. Ah, il faudrait savoir, c'est pas exactement la même chose, un routeur et un concentrateur. En tant que technicien informatique réseau, j'en sais quelque chose. Mais bon. Ah. Digicode. C'était pas. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je t'ai plus. Je ne sais plus. Jarbo. Fait chier. Ah, là aussi. Ouh là là. Qui c'est qui me parle? Hello, sir. Yes. You'll come to the integration unit at the top of the chamber. Come to
secret Helios. Alors, Alain, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai réussi à pirater les archives d'Helios. C'est incroyable. Il y a des dossiers, des messages qui s'étalent sur près de 100 ans et qui traitent des choses dont jusqu'à présent je n'avais jamais entendu parler autrement que comme de vagues rumeurs. J'avais tout juste le temps de récupérer mes relevés avant que la glace ne se reforme. Et je n'ai pu extraire que quelques mails auxquels j'avais accédé juste avant d'être coupé. Je ne crois pas avoir été remarqué, mais il faut que je réintègre l'équipe avant que quelqu'un ne trouve mon absence suspecte. Si vous en avez l'opportunité, utilisez ma machine et voyez ce que vous pouvez tirer de ce que j'ai récupéré. G. Shears, Momerad, Julia. Ah, te voilà Helios. T'as une drôle de gueule. Mais pourquoi pas. Via Helios, désactivez les verrous de connexion du routeur Kineas à l'est du secteur 4 pour permettre à Helios de se connecter à vos modifications. Ensemble, gouvernez le monde par la connaissance et la sagesse absolue. Voilà, c'est une nouvelle solution. Il y en a une quatrième. Je ferai les 4, hein, évidemment. Je sais plus laquelle des 4 a été retenue dans la saga de Deus Ex. C'est un jeu de plateforme qui a été fait. Alors, faut essayer de rejoindre le mec qui est... Ah, décodeur et c'est le bioélectrique, sympa. Merde ! Oh, c'est de l'eau.
Mais c'est de l'eau qui brûle. Oui, c'est sûrement pour refroidir les... les machines à mon avantage. Ça t'intéresse. Scanning the area. Ah. Nous avons un problème. Pas d'avoir des coéquipiers. C'est pas des copains. Ah, c'est pas des copains, ils m'ont tué les chalots. Ce sont pas des copains, ils m'ont buté les chalots. J'étais leur scène. Oh merde. Ah bah non. Ah et oh, c'est triché, c'est un faux mur. Ah. Bah. Oh merde. De toute façon, je vais recharger, j'ai fait une mauvaise chute. Je voulais tomber dans l'eau à la verticale, pas un espace intermédiaire. J'ai merdé. Ah, c'est trop drôle. C'était le grand chou. Joli. Helios is alive. I will be the one to merge the one to see and know everything. Merde.
Merde. J'aurais pu faire mieux. Merde! Oh, je l'avais eu du premier coup là. Enfin, du premier coup, je pense. La fois précédente. Ça défoule, ça fait du bien. C'est exutoire. Oh le bordel. J'ai le bordel et ma grande, je te le dis. Fait le traînant. Yes, you are. Mais attends, du coup, je suis où là? Je sais plus. Ah bah oui, ça aussi. Mais ça, c'est encore autre chose. Gentil cadeau. J'ai ça. Image secteur 4. Ok. Ah, des infos, mais attention, je me suis brûlé au. C'est la brûlure nucléaire. Alors, regardons l'image cadeau. Alors, à
Akina Substation, nanana, Colin Akina Router, nanana. Mais je l'avais déjà en fait. Ah non, ça c'est le. D'accord, ça c'est le secteur 3, ça c'est le secteur 4. D'accord. Ok. Ah oui, il y a trois constructeurs universels dans la zone 51 en fait. Il n'y en a pas qu'un, il y en a trois. Ok. Ouais, autant dire que c'est une usine à gaz pour fabriquer tout et n'importe quoi. Et ben moi je dis suite au prochain épisode. J'ai bien joué et je vais faire de vrai plaisir. Donc la suite demain avec les quatre fins. Je vous guac. Et je lirai le message que demain.